le diable, on a l'impression que le diable se moque de toi parce qu'il sait bien. Il sait bien que tu es dans une position que Dieu n'approuve pas. Et tu as donné perdre un combat. Ce n'est pas l'imposition des mains écrasées qui fera quelque chose pour toi. C'est vrai. Je vais beau prier pour toi. C'est vrai. Dieu fera pour ta cause ma foi. Mais et après? Parce que le christianisme, c'est une vie. Dis amène avec moi. Amen. C'est une vie. Ah, l'homme de Dieu a prié. Il a prié pour moi depuis que je vois rien. Et toi-même, là, qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Ta vie. Dieu te délivra parce qu'il a besoin de que tu le serves. C'est délivré pour servir Dieu. Amen. Tu ne peux pas parler servir Satan. Si c'est ça, Dieu ne va jamais te délivrer. Amen. Amen. D'autres vont être délivrés, ils vont continuer de servir Satan. Ce n'est pas possible. Amen. Alléluia. Amen. Il faut regarder ton cœur. Est-ce que tu n'as pas gardé des choses contre quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part quelque chose qui t'empêche Dieu d'écouter ta prière? Parce que ce n'est pas tout le monde que Dieu exauce. Ce n'est pas tout le monde. Si Dieu n'approuve pas quelque chose de ta vie, il faut vaut mieux laisser ça. Laisse la chose. Amen. Amen. Abandonne ça rapidement. Abandonne ça rapidement. Et cherche à te réconcilier avec Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça va parfaitement avec Dieu, c'est la connexion. Tu verras que tout souvent les vies bien. Amen. 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 Il y a une bonne connexion, c'est fini. Et la chose qui va te déconnecter de Dieu, c'est le péché. Amen. Amen. On entend les gens parler, ils ont l'impression de forcer Dieu à faire des choses contre sa volonté, contre son plan. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu puisses vraiment l'appartenir. Que ce cœur-là soit totalement à lui. Amen. Parce que vous voyez, quand vous lisez dans le livre de Deutéronome, à partir du chapitre 28, hein, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Allons-y. Chapitre 28. Écoutez très bien la parole de Dieu. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, il dit, si ton tu Dieu, obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, tous ces commandements, ça veut dire quoi? Il dit, en observant et en mettant en pratique, c'est pas seulement d'écouter seulement, de la mettre en pratique, de pratiquer la parole de Dieu. Il faut écouter la parole seulement, il faut la pratiquer, il faut la mettre en pratique. Allons-y. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Alléluia. Amen. L'Éternel ton Dieu te donne la supériorité si ça lui va t'élever si ta famille dit amen. Amen. Ça c'est clair. La première bénédiction, Dieu te mènera au sommet de la famille. Amen. Amen. Qui veut pas être à la tête? Qui veut pas être à la tête? Qui veut être à la tête? Amen. Moi, je veux être à la tête. Amen. Amen. Pourquoi on parle de mon Dieu? Amen. Mais il y a une condition. Il dit, si tu obéis, si tu observes et tu mets en pratique la parole de Dieu, Dieu te lève. Oui. Amen. Amen. Dieu ne bénit pas n'importe qui. La seule condition qui fait toujours pour que Dieu te lève, c'est l'obéissance à la parole. Il faut commencer à te repentir. Amen. Amen. La réponse, c'est quoi? Ça dit d'abord reconnaître. Mm-hmm. Et puis avouer, puis abandonner. Il faut reconnaître. On est là. Avouer et puis abandonner. Amen. Allons-y. Amen. Allons-y. Voici toutes les bénédictions. Il dit, voici toutes les. Écoutez, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Il n'a pas dit tu vas courir après, qui se répandront. C'est lui qui va ouvrir le ciel. Qui se répandront sur toi. Amen. Et qui seront ton partage. Et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, tu seras béni dans la ville. Très bien, tu seras béni ici à Divo. Tu n'as pas besoin d'aller en France. On entend d'autres parler, eux, tout leur vrai, c'est d'aller en Europe. C'est-à-dire, ils dorment, ils se réveillent. Vous ne savez pas qu'il y a galère là-bas. Demandez aux gens qui sont là-bas. Galère. Amen. Ah. Amen. Tu n'as pas besoin de l'Europe pour te bénir. Tu seras béni dans la ville. Amen. Amen. Tu seras même béni à Zaroko. Tu seras même béni au village. Il n'a pas besoin de l'Europe pour te bénir. Allons-y. Et tu seras béni dans les champs. Même dans les champs. Amen. Amen. Il faut entreprendre. Il faut aller au champ. La dernière fois, on a traversé un village avec le chauffeur. Là, notre voiture déconne. On s'est arrêté pour mettre de l'eau dans un réservoir. Et j'ai commencé à changer les gens. J'aime bien évangéliser. Et j'ai demandé au jeune homme, tu fais quoi? Il dit, lui, il coiffe seulement. Il va approcher. Il fait comment? Il lui va approcher. Il dit, mais toi, ici là. Moi, même si tu es là, au champ. Pourquoi tu vas pas au champ? Non, il a trouvé que c'est non. Il dit, mais toi, vois combien par jour? Il y a combien dans le village là qui vient se coiffer? Qui passe à coiffer dans le village? Amen. Amen. J'ai compris. Il dit, toi, si tu veux être pauvre, il faut continuer à coiffer. Tu vas voir combien par jour? Il va aller au champ comme les autres. Si moi, j'étais ici, j'allais chercher à avoir une portion de terre, puis travailler. La terre, là, ça ne trahit pas.
Amen. Amen. Vous êtes au village, vous enviez les gens qui sont dans le village. La terre, ça ne trahit pas. Tu peux travailler. Amen. Amen. Tu seras béni dans les champs. Dieu bénira ton travail. Dieu est contre le paresseux. Il faut travailler. Vous êtes là, vous débrader vos brousses. Vous donnez ça aux gens. Je dis, mais vous êtes là-bas, là. Vous avez beaucoup de bafons. Vous savez ce qu'on fait, bafons? Il y a riz, lisière. Riz qui mange, là. Les Thaïlandais, là. C'est bafons. Je vous donne bafons, lieu de faire lisière. Vous pensez aller comment aller en Europe? Ou même comment couper Bangui, boire Bangui, dormir. Ou même boire, chasser. J'ai tout comme beaucoup de coups pour dormir. Il te bénira dans les champs. Mais s'il n'a pas de champ, comment Dieu va bénir les champs? C'est ça? Amen. Amen. Il faut travailler. Allons. Le fruit de tes entrailles. Tes enfants seront bénis. Le fruit de ton sol. Le fruit de ton sol. Le fruit de tes troupeaux. De ton troupeau. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Très bien. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Bien. Tu seras béni à ton arrivée. Il dit, tu seras béni à ton arrivée. Dès que tu arrives pour une affaire, paf, Dieu te bénit. Tu sais, Amen. Amen. Il y a des gens quand ils arrivent, là on fait une porte. On dit non, c'est fini, c'est fini. Dès que tu donnes, on dit ben, on cherche quelqu'un pour mettre à la place. Tellement que tu es maudit. Allons-y. Et tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton départ. Dès que tu arrives pour une affaire, ça marche. Tu te retournes, ça marche. Parce que tu es avec toi. Amen. 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 Allons. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Si tu as perdu un combat, c'est que l'Éternel n'a jamais été avec toi. Il te donnera la... Ce n'est pas une question de crasso. Non. Moi, je viendrai comme un allié pour te soutenir dans un combat. Amen. Amen. Mais Dieu tiendra compte de ta vie pour te bénir. Oui, il tiendra compte de ça pour te bénir. Il te donnera la victoire sur tes ennemis. Allons-y. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec Écoutez, toi. Il dit, il ordonnera à la bénédiction. C'est à lui d'ordonner. Toi, tu vois, dans une bonne bénédiction, il est obligé de te bénir. Il est obligé de te bénir. Alors? Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est où ça? C'est pas Côte d'Ivoire? Il te bénira dans le pays dont l'Éternel te donne, la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Les gens pensent que non, ils ne sont pas bénis en Côte d'Ivoire. Il faut partir en Europe. Vous avez se chercher. Vous faites si ça passe, ça fait partie de ta destinée, gloire à Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu n'éteindra pas, n'a pas forcément besoin de l'Europe pour te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Demain matin, vous donnez un secret pour avoir la raison chez vous. Sinon, c'est possible, ce n'est pas la vie. Amen. Amen. C'est pas un peu de magie, non. Parce que l'or et l'argent appartient à Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas appartenir à Dieu et puis toi, tu manques d'argent. C'est toi qui allais demander. David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste mendier. Il n'y a pas de justice. C'est celui qui est justifié par le sang de Jésus-Christ et qui marche selon la parole de Dieu. Je n'ai jamais vu le juste mendier. Alléluia. Amen. Ouais. Ceux qui vivent continuellement avec moi, ils connaissent mon témoignage. Le jour où je commence à avoir un bien seul vieux, les œufs qui suivent Dieu remplissent ça. Ouais. Je ne vais pas suivre un Dieu qui ne répond pas. Amen. 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 Vous n'avez pas l'argent d'avoir des démons. L'esprit va venir vous parler. Amen. Amen. Il ordonnera la bénédiction de. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Ce n'est pas à toi de chercher, c'est lui. Amen. C'est pour ça que la Bible ne vous inquiétez de rien. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice. Quand tu te lèves matin, comment faire l'œuvre de Dieu? Tu te lèves matin, comment obéir à Dieu? C'est tout ton problème, ça. Dieu fera le reste. Amen. Il fera le reste. Allons-y. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Tu comprends? Il dit, il parle de la sanctification. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Comme il te l'a juré. Comme tu l'as même juré. Lorsque tu observeras les commandements. Il est bien encore. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Et que tu marcheras dans ses voies. Et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé. Très bien. Il dit tous les peuples. Ton le voisin Nazareth, tes voisins doivent réclamer que tu es avec Dieu. Et ils te craindront. Amen. Et ils te craindront. Et les gens ne les craignent même pas. On ne t'est pas pour ça faire rien. Chacun est venu, peut mettre sa bouche sur toi. Amen.
Alléluia. Amen. Tu es dans un quartier, les gens doivent sentir que Dieu est toi. Amen. Chez moi, tout près, les gens savent que je suis. Dieu aime. Tu sais. Toi, tu vas faire marcher chez le voisin. Voisin, s'il te plaît, j'ai oublié de manger. Donne-moi. Voisin, s'il te plaît. Demi kilo de riz. Voisin, tu as déjà fait marcher le gang du goût. Je suis le voisin. Tu as venu dire Jésus est bon, là, t'écouter. Amen. Amen. Tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'Éternel et te craindront. Amen. Amen. Il faudrait que les gens puissent maintenant te craindre à cause de la puissance de Jésus. À cause du pouvoir que tu as. Amen. Amen. Disons aux gens, il y a le pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir du ciel, puis il y a le pouvoir de la terre. C'est vrai qu'on a le Saint-Esprit, mais il faut que Dieu nous bénisse. Il faut que tu aies les moyens. Une fois que tu commences à avoir des moyens, les gens ont commencé aussi à te respecter. Parce que le pouvoir de la terre, c'est l'argent. C'est clair. Amen. Amen. Le pouvoir de la terre, il y a l'argent dedans. Tout pouvoir maintenant dans le ciel et sur la terre. Et le pouvoir de la terre, il y a l'argent. Quand tu as l'argent, tout le monde te respecte. Quand tu es un petit, tu deviens grand. Tu vois ça? C'est ça que Salomon, quand Salomon a dit non, tu sais, donne-moi l'intelligence et la sagesse, Dieu dit, tu es malade. Je vais te donner ce que tu n'as pas demandé. Tu dois l'argent. Tu vois pourquoi la sagesse? Amen. Il dit, je vais te donner ce que toi-même tu n'avais pas demandé. L'or et l'argent, je vais te donner. C'est ça qu'il faut que Dieu nous donne. Mettez-vous au travail, commencez à travailler. Commencez à entreprendre des choses. Amen. Amen. Et si vous voyez qu'il y a des blocages, c'est que Dieu n'a jamais été dans cette chose. C'est ça que j'ai dit aux gens. Si vous voulez entreprendre une affaire, il faut engager Dieu dans cette affaire. Ça veut dire quoi? Avant de démarrer mon commerce dans le local, je vais faire une offrande à Dieu pour dire, tiens Seigneur, je te fais cette offrande-là. Quand je vais démarrer, il faut que tu bénisses ça. Amen. Amen. En tout chose, il y a un départ. Et la Bible dit qu'il y a le commencement. C'est le fondement de toute chose. Qu'est-ce que tu as fait? C'est quand tu as les difficultés que tu dis à Dieu. Non. Parce que c'est l'argent qui appelle l'argent. Amen. Amen. Mm-hmm. C'est l'argent qui appelle l'argent. C'est pour ça que Jésus-Christ, pour nous sauver, il s'est donné un sacrifice. Quel est le sacrifice que tu as fait pour que Dieu s'occupe de ton affaire? Il n'a jamais été dedans. Non, mon affaire. Il y a ce qu'on appelle dîme. Et puis, il y a ce qu'on appelle le front d'alliance. C'est différent. L'offrande d'alliance, ça, c'est différent de la dîme. La dîme, c'est le dixième. C'est comme l'impôt de que tu paies sur ton salaire. Mais l'offrande de l'alliance, c'est quoi? C'est-à-dire, moi, je veux entreprendre une affaire de voiture. Vous comprenez? Voilà. Donc, je sais que voiture, là, que je vais vendre, là, c'est payé à tel prix. Voilà. Hein? Une voiture à payer 1 million, tout ça, c'est pas ça? Je prends les 1 million, je vais donner ça à Dieu comme offrande. Tu vas voir que les voitures vont commencer à marcher. Amen. C'est ce qu'on appelle l'offrande de l'alliance. Prenez, Psaume. Psaume 20, le verset 4. Le secret de recevoir, c'est de donner. Et les gens sont en vain comme sorciers. Vous ne voulez jamais être bénis. On revenait hier dans un village à Lakota, notre voiture s'est arrêté, le mécanicien, on allait s'asseoir quelque part. Je causais les gens, j'en profitais en même temps pour foutre quelque chose. Il y a eu du monde, j'ai commencé à donner. Des gens sont étonnés que je donne à manger aux gens. J'ai dit à la dame, ton plat, là, la mamie, là, c'est combien? Elle dit, non, elle est frais. J'ai planté mon identité, j'ai dit, je suis le prophète Crasso. J'ai dit, le secret pour recevoir, là, c'est donner. Elle m'a dit, oui. Moi, j'ai besoin, j'aime l'argent. C'est la vérité, je vous dis. Mais j'aime l'homme que l'argent. Ouais, mais j'aime l'argent. C'est vous qui dites, on n'aime pas l'argent, là, vous êtes possédé. C'est quelque chose que tu n'aimes pas, tu ne vas jamais chercher ça. Ou bien? Amen. Quelque chose que tu n'aimes pas, tu ne vas jamais chercher. Amen. Aïe. Quand tu aimes une femme, tu ne vas pas derrière elle. Hein? Il faut d'abord l'aimer pour aller derrière. Vous n'aimez pas l'argent, vous cherchez ça pourquoi? Non, je n'aime pas l'argent, tu cherches ça pourquoi? Tu n'aimes pas l'argent, tu cherches. Pourquoi? Oh. Moi j'aime ça. Mais ça me fait du bien. Amen. Amen. Quand tu as l'argent, ça te fait du bien. Amen. Quand tu te lèves, tu chantes gloire à Dieu, amen. Gloire à Dieu, amen. Le jour où tu n'as pas ça, tu es possédé. Faut finir tes prières de 4 heures du matin, tu es fâché. Parce qu'après la prière, tu vas manger quoi? Amen. Mais c'est vrai, tu vas manger quoi après la prière? Alléluia. Amen. Ils sont étonnés. Ils disent, moi, je veux de l'argent. Quand je donne, pas parce qu'ils viennent me faire voir. Effectivement, quand je donne, je reçois.
Parce que Dieu aimerait que tu sois une source de bénédiction. Et il y a toujours remarqué, ceux qui ne donnent pas sont jamais bénis. Amen. Moi, j'ai appris ce secret-là. D'un père spirituel depuis Cap-Vert, il est béni, c'est un amateur, il a bateau de pêche. C'est quelqu'un chaque jour. Et regardez les grands musulmans, vous pensez qu'ils sont possédés. Les plus grands, ceux qui ont l'argent, ils font tous les sacrifices, ils dorment. Vous ne voulez pas donner. Non, parce qu'il n'y a rien. Moi, ça ne sort jamais de ma bouche. Je n'ai rien là, ça ne sort jamais. Comment je vais avoir l'argent? Ça, ce n'est pas mon problème. Mais il doit remplir ma poche. Amen. Amen. Et qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il remplisse ma poche et donner? On dit qu'il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Amen. J'ai fait quoi pour que Dieu vienne remplir ma poche? Non. Amen. Amen. Le secret, c'est de donner. Et ceux qui ne donnent pas ne sont pas bénis. C'est tout. Moi, chaque jour, j'ai envie de donner. Vas-y, j'ai donné 10 000 francs, je vais recevoir 20 000. Amen. Je vais recevoir 20 000. Quand il a donné l'argent au vieux, le vieux, quand il a donné l'argent, m'a appelé du Canada pour dire, ah, je t'envoie 150 000. Hein. Et j'allais retirer pour ce bâtiment. Mais je connais le secret. Je connais le secret. C'est de donner. Vous êtes là, nous allons prier pour moi. Vous avez l'argent. Je prie pas, on ne prie pas pour ça. Non, non. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Quand tu veux donner, il faut donner, c'est tout. Non, je n'ai rien. Amen. Amen. Il a toujours remarqué que ceux qui ont toujours donné l'inversion de ma vie sont bénis. Amen. Ouais, je ne mange pas seul. Je suis une source de bénédiction. Ceux qui ne donnent jamais, ils ont des problèmes. Ouvrez les mains, je vois quelque chose. Prenez ça comme ça. Je ferme. Quand c'est comme ça, quand je vais vouloir mettre quelque chose, je vais mettre. Non. C'est comme ça la main de celui qui ne donne pas, elle est comme ça. Hein? Amen. Amen. Attendez, celui qui donne que sa main fait comme ça. Il dort. Il donne. Amen. Amen. Celui qui donne voit sa main comme ça. Amen. C'est fermé, il y a quelque chose dedans. Non. Tout ça, tu touches, je donne. Quand je me lève de mon lit, hein, je cherche à avoir l'argent sur moi. Et puis avec ton cochon. Les gens pensent qu'ils gaspillent. Ils gaspillent pas. J'aime l'argent. Quand tu n'as pas ça, quand je donne là, ça vient le soir chez moi. Parce qu'il a donné là, c'est moi qui ai ramassé plein de mini gardes. Amen. Ou bien c'est jeûne de prière. Non, il y a les génies, prier. Tu vas mourir, cadeau. Tu vas gêner, tu vas donner l'argent. Il est malade ou bien? Tu vas gêner, puis tu vas venir te donner l'argent. Jeûne, c'est pour chasser les sorties. Jeûne, c'est pour briser. Jeûne, brise l'obstacle. C'est qui envoie l'argent, c'est l'argent qui appelle l'argent. C'est tout. Amen. Amen. Non, c'est que je suis gêné. Tu n'as rien te donné. Tu vas mourir, cadeau. Tu vas avoir ulcère d'estomac. Le secret, c'est donné. Amen. Amen. Ce que j'ai donné, Dieu me bénit. J'ai toujours envie de donner à manger. Donner. Quand tu donnes à manger, puis le monsieur dit vraiment merci, sois béni. C'est une bénédiction. Amen. Tu as fait quoi pour que Dieu te bénisse? C'est ça, Dieu ne tient pas compte. Non, qu'est-ce que tu as fait? Le jour où Salomon s'est levé, il allait faire 1000 holocaustes à l'Éternel sur le mont Gabaon. Dieu l'a béni. Ce qui a fait que Dieu a béni est Salomon, c'est à cause de ses offrandes. Toi, tu fais quoi pour que Dieu te bénisse? Amen. Amen. Non, c'est que si je n'ai rien, c'est pas que je n'ai rien que Dieu a donné. Moi, souvent, je m'oublie même. Je dors. Bah, je sais que si je dors, Dieu va me donner. Dieu sait que quand j'ai ça, je ne mange pas seul. Il est obligé de me donner. Amen. Mon inquiétude, l'argent, ça n'est pas mon problème, ça. Je suis arrivé à un stade où j'ai banalisé l'argent. L'argent, le matériel me dirait, mais j'aime l'argent. Vous avez bien compris? Amen. Allez, je banalise. Je peux donner 100 000 à quelqu'un sans rien dire. Mais j'aime l'argent. Vous voulez l'argent, regardez-vous. Amen. C'est pas parlant là qu'à venir payer ta facture de courant. Ça ne paye pas facture de courant. Ça ne paye pas sous le site. Ça ne paye pas maison. C'est l'argent. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu fais pour que c'est le donner, c'est le secret?
Amen. Vous allez voir que les gens ont beaucoup d'argent, puis moi, c'est... Parce qu'ils donnent, ils sont pas une source de bénédiction. Dieu ne voit pas en eux source de bénédiction. Quand tu as ça, tu veux forcément avoir d'abord beaucoup. C'est quand tu auras beaucoup. Pour multiplier l'argent, il faut donner. Il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. C'est pour ça que Dieu me bénit. Moi, Dieu me bénit. Amen. Amen. Le jour où je vois, je descends dans la rue, je regarde les gens, puis je donne à manger à tout le monde. Quand je descends de ma voiture, je donne. Je suis étonné. Je sais ce que je cherche dedans. Moi, je veux qu'à la fin du jour, j'ai l'argent dans ma poche. J'ai fait quoi pour que Dieu vienne me donner l'argent? J'ai fait quoi? Dieu n'est pas bête, va venir te distribuer l'argent. Pourquoi? Tu l'as marqué? Non. Tu n'as rien fait à Dieu. Puis lui, il est malade ou bien. Il va se lever matin, il va te dire, tiens l'argent. Tu as fait quoi ça? Il sait que tu as l'argent là, toi tu es avare, tu es comme un sorcier. Tu gardes ça pour toi seul. Dieu là te donne l'argent pour le servir. Il dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Ton nom sera grand, mais je ferai de toi une source de bénédiction. Tu, toi, tu nous salues les gens là. Quand ils te voient, ils doivent être contents. Il y a des gens à lui là. Non. Qui met son argent? Ils sont fous de toi. Mais Dieu sait que quand il te donne l'argent, tu ne manges pas ça seul. Donc il oublie de remplir ta poche parce qu'il sait que tu vas partager. Dieu ne descendra pas, il ne descendra pas comme un être humain sur la terre. Il va toujours utiliser les hommes pour bénir les personnes des hommes. Amen. Amen. Il faut une source de bénédiction. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Et je disais tout à l'heure, avant de démarrer une affaire, avant de démarrer une activité, amen. Si je sais que mon affaire, là, ça va me rapporter 5 000 francs par jour, c'est 5 000 francs d'offrande, d'alliance. C'est ce qu'on appelle, il y a différents sortes d'offrandes. Moi, je n'ai pas trop parlé de ça, mais je vais vous parler aujourd'hui. Quand tu veux démarrer une affaire, je sais que moi, mon affaire là, du commerce là, ça doit me rapporter 5 000 francs comme bénéfice par jour. Amen. Amen. Alors je viens poser une action, que ça on appelle l'offrande d'alliance. Allons-y dans le psaume 20, le verset 4. Écoutez très bien. Tu te souviens de toutes tes offrandes. Il dit qu'il se souvient, tu as fait quoi? Il va se souvenir de quoi? Il dit qu'il se souvient de toutes tes offrandes. Et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il agrée tes holocaustes. Allons-y. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Qu'il se souvient. Tu as fait quoi? Bien se souvenir de quoi? Amen. Amen. C'est ça? Tu as fait quoi? Non, c'est que si j'ai commencé mon commerce, ça va tomber. Mais oui, ça va tomber. Quand j'ai fait, j'ai donné 10. Non, oui, c'est une erreur. Amen. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a commencé par le ciel d'abord. C'est le ciel qui envoie la pluie. Amen. Amen. Les gens, ils veulent commencer d'abord. Ils vont commencer la terre. Ils vont commencer à faire le commerce. Et après, vous mettez Dieu sur le second plan. Et c'est dangereux. Amen. Amen. On dit amen. Amen. C'est très dangereux. C'est pour ça que vous n'êtes pas béni. Tu as beau gêner. Tu as les faits de délivrance de sorcellerie. Mon argent, les sorciers n'ont qu'à libérer. Si tu ne donnes pas, ton argent, c'est dans des canaries. Amen. Sorcier, mais c'est bon. Mais mettez l'argent là-bas. Allez, mettez ça là-bas. Fermez ça. Tu en vas, non? Non, pas fermer. Tu vas garder. Et ils sont bien gardés. J'aimerais bien garder l'argent. Non, quand garder un canari là, c'est bon. Ou bien? Il y a des gens même quand ils veulent donner les brigades. Et moi qui sont sorciers. Vous savez pas que la cupidité, c'est la sorcellerie. Amen. Amen. C'est la sorcellerie. Amen. Alléluia. Amen. Qui donne toujours est toujours béni. Amen. Vous savez pourquoi l'Afrique reste dans la pauvreté? On aime toujours attendre des blancs. Amen. Amen. Toujours attendre des blancs. C'est dangereux. Nous pouvons bénir les blancs. C'est pour ça que j'ai aimé l'Angola, le pays Angola. Là. Ils ont donné l'argent au Portugal. Donné l'argent. Amen. Amen. Où est blanc, Richard? C'est chez nous, ils viennent prendre et puis ils s'enrichissent. Mais parce qu'on n'a pas la culture du donner. C'est pour ça qu'on n'est pas béni. Et ce qui nous envoie là, c'est France au revoir, ou bien tout ce qui au revoir là, c'est qu'on en reçoit ici. Habit au revoir, billet de banque au revoir, manger au revoir, nous on a tous au revoir. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de ça. Nous on passe à faire nos malins. Les tricots au revoir, on a commencé à faire fête. Premier janvier. Chaussures au revoir. Nous c'est ça, frère, ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aimerait que tu sois une source de bénédiction. Amen. Ça dépend de comment tu démarres une affaire avec Dieu. Hein? Amen. Amen. Comment tu démarres ça avec Dieu? Alléluia. Tu commences une affaire.
de commerce. Il dit à Dieu, moi, je sais qu'il doit avoir 100 000 francs de bénéfices. Avant de commencer, là, voici nos francs. Et puis, on n'a pas ça à n'importe qui. Vous me regardez, c'est vrai? Moi, il n'est pas venu s'aimer. Il n'y a pas ça. Planter, il n'y a pas ça. Il n'y a jamais poussé. Il faut bien voir la terre avant d'aller faire sémence. Mais bon Dieu t'a donné les yeux. Amen. Amen. Moi, c'est important. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas les donner à quelqu'un qui va s'enrichir, qui ne pense pas aux autres. C'est dangereux. Et cette offrande, c'est les hommes de Dieu qui prennent ça. Amen. Amen. Tu fais une offrande d'alliance et tu dis, tiens, prie pour moi. Il doit forcément prier pour toi. Et tu précises, viens. Ce n'est pas dîme, ce n'est pas une offrande. Mais on met une offrande d'alliance. Il faut que ça soit bien précisé devant l'homme de Dieu. Parce qu'il y a des offrandes. Offrande, ça veut dire offrir, faire un don. On n'a pas besoin de savoir. Mais l'offrande d'alliance, l'homme de Dieu a besoin de savoir que c'est une offrande d'alliance. Et tu dis, c'est une offrande, voici ce qu'il doit faire. Là, alors Dieu note ça dans son cahier de souvenirs. Il se souviendra de toutes tes offrandes. Il laisse ça dans son cahier de souvenirs. Et tu, l'homme de Dieu prie pour toi, c'est fini. Lorsque tu démarres les affaires, ça va venir 100 000. Amen. Amen. Dis amen. 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 Le jour où tu as problème, tu as dit, ah, moi, ton affaire alliance. Ou bien, amen. Amen. Dans votre finis, il y a des gens. Il y a Baoué, Guidon, Tanguy, on fait alliance, non? Vous ne devez pas vous insulter, c'est ce qu'ils vous disent, n'est-ce pas? Oui. Ouais. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose, il y a quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est tellement dans leur histoire, il y a eu des choses qu'ils ont fait. Donc chacun ne doit pas insulter son camarade, ils sont alliés. Amen. Amen. Ton affaire est dure, là, doit avoir une alliance. Non, c'est qui est sûr, mon cher. Il y a des choses quand il ne prie pas. Mais ce n'est pas un sujet de prière. Les sorciers, même, c'est bon, mettez ça dans les canaries. Fermez ça, asseyez-vous là-dessus. Amen. Amen. Vous n'aimez pas donner aux gens. Vous n'aimez pas donner. Quand vous démarrez une affaire, donnez à l'Éternel. Amen. Amen. Prenez Jésus, je vais terminer. Aujourd'hui, c'est un jour où tous nos collègues doivent tomber. Aujourd'hui, c'est le 30e. Demain, c'est le premier nom. Demain, c'est le premier programme. On appelle ça la fête. Les gens appellent ça la fête. Soutien, tout ça. Qui est saint? Si on veut rentrer dans la théologie, vous-même là, vous allez annuler même. Et dit, vous n'avez même plus appelé ça tous les saints. Qui est saint, c'est la Vierge? Amen. Et puis on dit tous les saints. Et derrière tous les saints, on dit la fête des morts. Vous comprenez? Pourquoi? Pourquoi novembre démarre avec fête des morts? Parce qu'à partir de novembre jusqu'au 31 décembre, les gens doivent mourir maintenant. C'est là que les gens commencent à mourir. Parce qu'il y a 4 mois les plus dangereux dans l'année. Il y en a septembre, octobre, novembre, décembre. Où les gens commencent à mourir. Regardez très bien. Vous allez voir. Les gens doivent vous obliger d'aller adorer les morts. De renouveler un parc des morts. D'envoyer les esprits des morts. Ce serait qu'éviter. Si quelqu'un est mort, son tricot là, ne portez plus ça. Quand vous finissez le funérail, agitez ça. Tout ce qui appartient à des morts dans vos maisons, dégagez ça. Sinon, si vous dormez, vous allez les voir dans vos rêves. Si quelque chose appartient à un mort, que tu as ça, tu vas le voir dans tes rêves. C'est un esprit de mort qui est là. Amen. Amen. Tu fais les fêtes funérailles, puis tu as la photo du mort là et tu portes ça. Tu fais quelle publicité? Non, c'est qu'est-ce que c'est mon parent? Et puis quoi? Amen. Amen. De vous débarrasser de tout ça. C'est truc. C'est pour ça que par moment dans vos rêves, vous voyez des gens bizarres qui vous poursuivent l'esprit de mort. Parce que vous portez l'esprit des trucs de mort. L'ignorance est la plus grande des maladies. Amen. 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 On vous donne des affaires, des habits, quelqu'un qui est mort. Vous avez besoin de ça beaucoup. Alléluia. Amen. Pas bien servi. Amen. Évitez d'avoir un contact avec l'esprit de mort. La Bible dit que les proviennent personne de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Tu es mort, c'est fini. Hein? Si les morts avaient leur pouvoir, mon papa, là, il me donnait l'argent. Parce que lui et moi, on a parlé de beaucoup de chemins qui ne meurent. Il avait tellement de grands projets. Il est mort. J'ai beau l'appeler, il ne va jamais agir. Il ne va même pas. C'est pas possible. C'est fini. Je vais aller prendre pot de fleurs, aller mettre dessus. C'est vrai. On aimerait arranger la tombe. Ce n'est pas mauvais aussi d'arranger la tombe de quelqu'un, d'un parent. Bon. Mais aller chaque fois sur la tombe de quelqu'un qui est mort, chaque fois, c'est de l'idolâtrie. C'est adorer l'esprit de mort. C'est pour ça qu'il y a que Dieu lui-même, il n'a pas permis au peuple d'Israël d'enterrer Moïse.
Personne ne sait où il a été enterré. C'est les anges qui l'ont enterré. Parce que lui sait. Il sait qu'il est conscient que si les gens sont là, Moïse, il allait l'adorer, sa tombe. Il allait l'adorer. Parce que Moïse était considéré comme Dieu en Israël. Prenez le caractère de Dieu. Dieu nous a créé à son image. La chose que Dieu n'aime pas, c'est l'idolâtrie. Amen. Quand quelqu'un meurt, son esprit va vers Dieu. Son corps est là. C'est vrai qu'on peut entretenir sa tombe, si c'est sale. On peut entretenir sa tombe. Non, c'est cassé, on peut entretenir. Mais allez, chaque fois, on vous dit tous les 1er novembre, c'est renouveler vos pactes de mort. Allez adorer, mettre les fleurs sur une tombe. Mais quand tu vas parler. Combien? Tu viens quoi? Tu viens à l'esprit de mort. Ce que tu as dit là, ça a été lié. Le diable est tellement rusé. Toi, tu ne sais pas, mais tu as dit une parole. Hein, tu as pleuré un peu, non? Hein? Sauve-moi, tu vois que ma famille, toi, tu as confié un mort.